Stop au grado, arrêtez s'il vous plaît de sauter avec les deux talons qui viennent vers le bas du dos comme cela. Ça va vous faire tomber sur l'avant à chaque fois que vous réceptionnez, car vous êtes sur les orteils. Et en plus, c'est pas nécessaire de lever les mains en l'air, personne vous tient en joue. Donc nous, on va essayer de déplacer l'ensemble du corps en jouant avec le bassin comme cela sur l'axe longitudinal. Et ensuite, pour sauter, on va venir se préparer en mettant du poids au-dessus de la jambe avant, le transférer au-dessus de la jambe arrière, puis déclencher le saut. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va placer les bras près du centre de gravité. De cette manière, au moment de sauter, vous allez pouvoir monter les bras et cela va vous permettre d'avoir une plus grande impulsion en évitant la position flamenco pendant votre saut. Pour plus de conseils pour apprendre à sauter en ollie, en ollie, sur un kicker, en bord de piste, rendez-vous dans les tutoriels de la chaîne YouTube, dispo dans la bio ou en description. Et n'oublie pas, like et abonne-toi si jamais tu veux plus de contenu comme ça. Ciao ciao!